live. Bah, le live est déjà avancé, on va lancer le jeu. Bah, le jeu est déjà lancé, on va lancer la partie. Putain, je vais y arriver. J'ai juste coupé la webcam pour le moment. Histoire de boire mon petit café tranquillement. Faire tout ce qu'il y a à faire. Alors, j'ai l'impression que le jeu est excessivement. Oh putain, le casque qui déconne. Voilà. Alors, obtenez un fusil à lunettes patrimoine. Le bouclier ne sera pas brisé. La chance élémentaire de chaîne. La chance d'effet élémentaire de éclair en chaîne augmente de 50%. Oh, pardon. Ah! Le jeu dit, ah, tu vas réussir la game cette fois-ci. Parce que c'est avec le mortier que j'ai réussi la game hier, en solo. C'est le mortier, j'avais vraiment chopé tout ce qu'il fallait pour faire la masse de dégâts. Et du coup, bah, on en profite. Hein. Oula, oula, oula. Joue à un jeu dangereux. J'adore ça. En vous déplaçant, plus vous bougez, moins vous subissez de dégâts. Ça, c'est top. Ok. Ah, gros pop table. Ah, ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu, toi. On va le prendre, il nous faut bien une seconde arme. Mais... bon, ça, c'était facile. Contre mortel, après avoir subi des dégâts, toutes les attaques deviennent des coups critiques. Ça, c'est top.
Alors. Faudrait trouver un meilleur mortier, c'est pour ça que je vais pas l'améliorer pour le moment. De toute façon, sérieusement, j'en ai pas besoin. Pop. Alors, il y a l'artisan ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas, non, je vais pas l'améliorer parce que pour le moment, il est un peu pourri. Ok, on va continuer et on viendra faire le truc après. Faudrait de la vie, bordel. Faudrait de la life. Voilà, un peu de vie, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas top. Ouais, si j'ai. Ouais. Mais non, mais je fais pas de dégâts de feu de toute façon, donc non, c'est pas top. Je vais prendre. 30% de dégâts, c'est pas mal. Juste pour le plaisir de tout péter. Ah, oh, putain, j'aime pas. Plus 50% de dégâts infligés lorsque le héros est dans les airs. Ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que je vais devoir sauter. Réinitialise le temps de recherche de toutes les compétences que vous perdez 20%. Ça, c'est pas mal aussi. Faudrait avoir les trois ruées là, j'adore avoir les trois ruées. Les trois ruées, c'est vraiment top. Excusez-moi. À boire mon petit café. Ah. Ça fait du bien. On se réveille. Alors, merde, j'ai foiré mon coup. C'est quoi? Ah, c'est un élite, vas-y, go. Et en plus, je pense savoir lequel élite c'est. Ça va être, à mon avis, ça va être le. Ah non.
Bon, jouer avec une cigarette, c'est pas top. Ne le faites pas. Mais ne fumez pas, en fait, tout court. C'est mieux pour votre santé. Ah, j'ai plus de balles. Ah, je prends des dégâts. Voilà. Faut vraiment que je trouve le truc pour les balles. Hein. Ça pourrait être pas mal en soi. Alors, ça c'est top. Tueur de géants, c'est vraiment top. Je l'ai déjà eu plus d'une fois, franchement, c'est vraiment, vraiment top. C'est bon, ils sont tous morts. Ils viennent d'où eux? Ah, peut-être un jour je joue un peu la lance pour voir un peu ce que ça donne. Allez, premier boss. Remarquez qu'on a toujours rien acheté. Ah, génial. 3 charges de ruée. Les objets cassables peuvent apporter. Oh oui! Oh oui! Oh oui! C'est toute beauté! Je pourrais améliorer mon arme, mais franchement, ça sert à rien pour le moment. Vu qu'on est au premier boss. Et j'aimerais bien avoir la même, mais un peu mieux. Ah oui, attends, il y a une... Oh, mais est-ce que je le fais? Ouais, allez. Voilà. J'ai bloqué un boss généreux. Je m'en fous littéralement de ce que je viens d'acheter. Hein, mais... Je vais le revendre automatiquement, mais... Voilà. Ce qui est bien, en fait, c'est que j'ai débloqué 2 succès, en fait. Et il me reste encore 1700 pièces, donc ça va. C'est pas comme si j'étais riche. Hein. Ah, j'avoue qu'avoir rué 3 fois d'un coup, là... Merde, merde!
Putain de... Non mais t'es sérieux là? Ah ouais, j'ai pas amélioré donc... Allez, crève. Pour 50% dégâts de compétences supplémentaires où chaque effet déclenche avant que le tonnerre vous frappe. Ça devrait pas mal. Chance de déclencher éclair en chaîne en infligeant un coup critique à probabilité. Ah oh, ça c'est top. Ouais. Coquille renforcée. Moins 30% de dégâts subis lorsque le bouclier n'a pas atteint 0. Plus 30% de dégâts subis lorsque le bouclier a atteint 0. Ouais, ça a l'air un peu l'encul, ce pare-choc. Le calibre 12. Lui, il est pas mal en soi. Mais je vais pas le prendre. Et ça non plus. Voilà, alors du coup maintenant, ça va être... On va tout péter. Ah ouais, ça rapporte de la thune, donc on pète tout. Ah, j'ai la... j'ai le truc pour la thune, donc... De la thune, thune. De la vie aussi. C'est bon, il n'y a plus rien. On a tout pris. Semblerait. Ah non, il y a encore de la thune. Voilà. Et là encore. Et là encore. C'est bon, on a tout pris. On a tout pris. Fini un niveau à 2151, ça va. C'est potable. Attendez deux secondes. Hops. Voilà, hops. Allez, niveau 2. On a amélioré aucune arme pour le moment et on a passé le niveau 2. Ok, j'ai failli me tuer moi-même. Parce que j'ai fait le con. Ils vont pop là. Voilà. Alors. Ah ouais, là ça va être... on pète tout les gars. Ça... De la thune, hein. De la thune. Ah déjà, avoir ce pare-chaud dès le début, c'est top. Ça veut dire qu'on va avoir blindé d'argent. Ce serait bien d'avoir l'autre pare-chaud, le pacte démoniaque. Qui diminue la vie de 50%. Donc j'aurai 35 HP. Mais je recevrai le double de cuivre en fait. Ce qui est top en fait en soi. Et ce serait bien aussi d'avoir celui qui me permet de recharger en faisant une ruée. Ok. On a tout pété, hein, il semblerait. Faut pas oublier que j'ai le pare-chaud monsieurencule.com qui fait que je prends un peu plus de dégâts si mon bouclier tombe. Donc en soi c'est un double tranchant.
Ah oui, le colporteur. Ah oui, maintenant je peux rafraîchir. Donc du coup, par exemple, si je lui prends ça et que je rafraîchis. Ils sont là. Principalement, on va être plein aux as. Bon, on pourrait avoir un parchemin maudit et obtenir une arme avec une inscription exclusive. Le seul problème, c'est qu'on ne sait jamais l'arme qu'on va avoir, donc du coup, non. On pourrait donner 181 pour améliorer l'arme en plus 1, mais vu que l'arme que j'ai actuellement sur moi me coûte 50 pour l'améliorer, il est clair et net que je vais pas utiliser ma thune pour l'améliorer. Alors, surtout que j'aimerais bien en drop une en fait, drop une meilleure arme, le même, mais en meilleure qualité, enfin avec des inscriptions cette fois-ci. Ce serait mieux. Alors, de la tutune, donnez-moi de la tutune. Popopo, ça. Et le mortier, en fait, il est vraiment top. Une très bonne arme, en soi. Le seul bémol, c'est que ouais, j'aimerais bien que je puisse l'améliorer, quoi. Je vois pas sa vie, donc du coup je sais pas où il en est. Bah il est mort. Ah oui, ça c'est top. Attends, j'ai mal lu? Lorsque vous ramassez des munitions, ces dernières sont ajoutées à votre chargeur plutôt qu'à la réserve. Augmentez également votre vitesse de déplacement de 25% jusqu'au prochain rechargement. Ouais, c'est pas mal en soi. De la tunasse! Ouais, c'est 3 de cuivre, plus 3 de cuivre, plus 3 de cuivre. Ah, on évite un. On évite beaucoup, hein. Sauveteur, la foudre. Écran foudroyant. Inflige des dégâts de foudre aux ennemis à proximité lorsque l'armure ou le bouclier sont brisés. Les dégâts dépendent de l'armure max, des PV max et des compétences.
Vandorda, moins 20% de dégâts subis et plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes lorsque vous consommez sans munitions. Ça peut être sympa en soi, vu que j'ai la grosse mitraillette. Mais je pense plutôt que je vais prendre le parchemin sauveteur qui me permettra de me sauver au cas où si je prends trop de dégâts. Alors. Let's go. Du coup. Et c'est parti. Toujours l'artisan, mais pas envie d'améliorer pour le moment. J'en ai pas besoin. Non mais sérieux, il va prendre sa putain de balle, lui! Ah oui, on voit que je l'ai pas amélioré, hein. Ah ouais, on voit vraiment que j'ai pas amélioré mon arme. Hein. Bon, elle est toujours niveau 1, hein. Je l'ai pas du tout amélioré quoi. Ah ben j'ai plus de balles. Faut vraiment que j'en chope une meilleure. Hein. Quatrième vague arrive. On va peut-être la rater hein, en soi. J'ai pas ramassé de balles pour le... Oh bordel. Ah ouais, le sac d'os, ouais, ça c'est sympa, ouais. Merde. Ah oh, putain, il y a le gros. Ah, je sais pas. Plus 5% de tir chanceux pendant 3 secondes après avoir touché un ennemi jusqu'à 100%. Durée hors réunion. Ouais. Capacité du chargeur plus 60%. Ah, je sais pas. J'aime vraiment bien cette arme. Mais j'aime bien le mortier. Mais le mortier, il fait tellement pas de dégâts pour le moment. Ouais, je vais supprimer mon mortier. Je vais garder ça. De la tounasse. De la tounasse.
Dégâts de feu, ouais, c'est une blague ou quoi? C'est pas top, hein. Bon, ils sont pas très bons cette game, hein, en soi. Bon, on a perdu un peu de PV parce que on a fait le truc, mais il y a moyen de le regagner. Il y a pas un autre endroit où il y avait des... Si, là. Hop, voilà. Sur mi full life. Comme quoi. Ok. Ok. C'est bon? Ouais. La petite élite. On va voir comment ça se passe, hein, parce que putain, là, on est un peu dans la merde. On n'a pas les bonnes armes. Ça va, je fais du dégât. Alors le snipe il est bien contre les mobs mais pas contre les boss. Enfin, c'est mon point de vue mais je trouve que contre les boss il fait pas... Enfin ça dépend le boss en soi. Et contre le boss final il est pas top. J'ai plusieurs fois échoué contre le dernier boss avec le snipe. Alors qu'il était augmenté au maximum, enfin j'étais en plus 27 quoi. Faudrait aussi qu'on trouve un rechargement de ruée moins 50%. Ça pourrait être top, vu qu'on en a déjà 3. En soit, on en voit déjà 3, c'est top. Si on peut en avoir un peu plus, ce sera encore mieux. Vous te bloquez quand même, ça. Ouais, je vais prendre médaille d'argent, c'est sympa. Quand on tue un ennemi, ça recharge, ça relance le rechargement du bouclier. C'est assez top. C'est parti. On a toujours pas trouvé mon arme. Je suis un peu déçu de ce côté-là. Ouais, j'ai plus l'habitude de jouer le snipe. Ah ouais, j'ai mon truc de foot qui fait des... Ah oh. Ouais, mais non, je suis de la merde là. Ah! Vite. Reste là. Fais pas chier. Fais pas chier. Ah bah 33% de recharger le temps de recharge en utilisant une compétence principale. Ouais, ça c'est top. Le hurleur c'est vraiment top. J'aime vraiment bien le hurleur. Une fois qu'il est amélioré, il fait vraiment énormément de dégâts. En plus c'est des dégâts corrosifs. Bon, allez, hop. Voilà, c'est la première game, donc on va dire que c'est la game de chauffe, hein.
Alors les arcs, par contre, je suis pas fan. J'ai un ami qui les joue, mais moi je suis pas fan du tout des arcs. Pourtant c'est top hein, les arcs, c'est assez puissant. Hein. What? Bon. De la tutune. Oh putain, lui... Oh, c'est pas que je l'aime pas, hein. C'est que je l'aime pas. J'ai pas réussi. Je faisais pas largement, je faisais pas du tout assez de dégâts. Je me suis dit, je vais peut-être faire le saignement histoire de quand même pouvoir récolter un peu. Mais c'est chaud parce que t'as des ennemis qui pop à l'infini autour. Ça pas, j'aurais dû garder l'arme, le truc d'os là. Ça aurait pu être top, parce que là il aurait pas forcément beaucoup bougé. Mais bon, ça va. Je suis à 3 586 de thunes. C'est bon. C'est pas dégueu en soi. Ok, alors. On a tout pété. Semblerait.
Bon, c'est dommage, on n'a pas eu de parchemin. Mais... Ah. Voilà. Merde, j'ai pas vu qu'il y en avait un deuxième. De la tutune. Argent, argent. Vu que je joue à tout petit peu la lunette. Tout petit peu. De la tutune. Donnez-moi de l'argent. De l'argent sera moi. Je veux être riche. Riche d'amour et de... Ok. C'est le griffon, c'est génial, ma vie c'est de la merde. Alors, monsieur colporteur, tu vends de la merde, rafraîchir. Ah, oh, le coq blanc, génial, et puis après j'achète ça. Mais c'est top, je vous aime. Plus 7, plus 7. On verra ce que ça donne. Allez, deuxième boss. Merde! Noscope, moi, rien à foutre. Oula. Je crois que j'ai besoin d'un scope, moi, pour te toucher. Hein. Crève. Tunaissant.
Ah oui, c'est vrai, c'est quand je ramasse des balles, je peux tirer à l'infini en fait. C'est ça que. Enfin, ce qui serait bien, c'est de choper le système de munitions. Que j'ai pas besoin de me casser le cul. On peut pas revenir en arrière. Récupérer quelques récompenses. Bon, j'ai tout ramassé. Let's go! Tunas! Je suis pas fan du gant. Ça. On supprime. Plus 2% de taux critique, mais 50% de dégâts d'armes lorsque vous ne touchez pas le point faible. Les armes disposent d'une lunette obtiennent un zoom x2. Ah ouais? Allez, troisième zone. Ce qui est bien, c'est qu'on commence vraiment à bien se faire au jeu. On arrive quand même à atteindre la troisième zone assez facilement. Oh putain. Comment je l'ai raté? Kappa, ta gueule. Ah, il y a Monsieur Pauvre. Ah, il y a Monsieur Kappa. Je t'entends. Oh, c'est qui chante ça encore? Argent comptant. Oh, je sais plus. Argent comptant. De la thune, thune, thune. Oh, et en plus, il y a tellement de pots dans ces zones. C'est vraiment ça, par contre, le parchemin, il est vraiment top. Tounas. De la toune. Ah, c'est surtout. Ah merde! Je croyais que... C'est surtout d'avoir les essences d'âme en fait, qui est assez pété en fait en soi, parce que quand tu pètes les pots, tu reçois des essences d'âme. Et donc du coup, bah... Enfin, c'est pas tout le temps, mais... Je veux dire, principalement, c'est top, parce que ça te permet de farmer aussi un peu plus, hein, les essences d'âme plus rapidement, et donc du coup de prendre des levels plus rapidement. Et ainsi de suite, quoi. Alors, est-ce qu'on a tout pété? Il semblerait qu'on ait tout pété dans la zone. Ouais. Allez, go, on se casse. Alors, ce qui est génial, c'est que ils se prennent des putains d'éclairs quand ils se rapprochent de moi. Le capa à ta gueule, regarde. Ha! C'est excellent! J'ai même pas eu besoin de tirer quoi. Il meurt tout seul. Tounas! Tounas! Bon, la thune. La thune, bon, je vais tricher.
Alors, par contre, ce serait bien qu'il me donne l'arme que je veux pour que je puisse faire un peu de dégâts, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'améliore ou pas en soi? Le prochain, ça pourrait être le serpent ou le. Ah non, je vais pas améliorer. On va vraiment essayer de dropper une autre arme parce que ça va pas le faire. Oh, j'ai eu maître des grenades. J'ai un succès, hein. Maître des grenades. Je suis un maître maintenant. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le jeu. La gueule! Merde! Bah, bordel! Shut up! Drama. Nanana. Toi, ta gueule. Ta gueule. Et ta gueule. Et toi aussi. Oh, événement. Oh non! Un arc. Il paraît que les arcs sont très puissants sur le jeu, mais je suis pas fan, hein. Non, mais le jeu, tu veux bien me donner mon arme que je veux, s'il te plaît? Oh putain, j'aurais dû la garder et l'améliorer en fait en soi. Mais bon, elle était pas. Ah non, elle est là. Oh, je vous aime. Vous savez ça? Tu sais le jeu que je t'aime. Voilà. Ah merde, est-ce qu'on peut remonter? Oui! Oui! Ah! Remonte! Direct, toi, Nick! Et il me faut un deuxième gémeau avec un putain de chargeur et c'est fini, j'ai fini le jeu. Ah, si j'arrive à avoir un chargeur de 40. Bon, à tout nous. Oh putain, ça y est, c'est fini, j'ai fini le jeu là. À la guerre! Comment? Voilà. Non mais oh, se calmer, hein. C'est quoi? Ah, c'est un élite. On le fait au snipe ou on le fait au... Ah merde, oui, c'est vrai que le snipe, il va falloir que je le... Que je le change. Chance de tir chanceux plus 50%, mais moins 50% de stabilité. Ouais, bof. Oh non, c'est bon! J'ai un chargeur de 5 maintenant. C'est top. Maintenant, il me faudrait le système pour pouvoir avoir. Parce que là, je suis quand même un peu dans la merde. Il me reste que 3 chargeurs, quoi.
Mais non, mais je voulais pas tirer sur lui. Ah voilà. Oh, j'ai débloqué la pupille. C'est gauzeux. Un fusil à pompe. Bon. On est dans la merde, hein. Mais bon! On est plus dans la merde! Ah, on est dans la merde! On est plus dans la merde! Oh! Ah non, mais what the fuck, quoi! Il me donne une baliste avec un GMO, quoi! Qu'est-ce que je fais? Ah, merde! Ah, ce jeu qui veut ma life, hein. Y a combien de balles dans ce... Oh. Oula. Oula, c'est spécial, hein. Charge de tir augmente la précision une fois entièrement chargée. Clic droit fait rien. Oh, elle est puissante. Oh, elle est puissante. Ouais, de l'argent. Ah, c'est qui encore qui chante cette chanson, putain? Argent comptant. Je sais plus. Merde, j'aurais dû prendre le truc à droite. Tant pis. Ça c'est bien, mais je sais pas. Dégâts de foudre, est-ce que c'est considéré aussi pour... bah je suppose. Quand l'éclair, vu que c'est de la foudre, je suppose que c'est considéré comme de... comme des dégâts de foudre. Ah. Pouch. Argent. Comptant. Faut vraiment que je retrouve le titre de cette chanson. Argent comptant. C'est qui chante ça encore? Je pense que c'est un truc qui est pas forcément connu. Argent comptant. Ah, j'ai déjà pris, ok. Ah, mon cerveau. Il réfléchit trop. Oh, fini la game. Allez, meurs tout seul. Dans la solitude. Tais-toi. Vraiment, par contre, je trouve une autre arme. Pas une seconde arme, ce serait bien avec un... genre un petit hippopotame avec un gémeau. On change de gémeau, mais munitions et... ah, c'est bon. On a fini la game.
Bon, c'est qui invoque ces merdes là? Il commence à me saouler là. Toi, crève! Oh, j'y étais. Non, mais allez, j'ai pu y arriver donc. Bah, évidemment, j'y arriverai plus maintenant. Ah, j'y étais, non? On peut mourir en tombant dans l'eau. T'imagines? Mec, il cherche les loots. Il fait un faux move, il tombe dans l'eau, il crève. Oh! Pétage de plomb, hein. Pétage de plomb, hein. Moi qui vous le dis. 24 balles, ouais, c'est peut-être un peu peu là. Tu te fous de moi le jeu là. Tu vas me donner des munitions. Hein. Faut vraiment que je trouve le parchemin pour les munitions. Absolument. Sinon la game risque d'être très dure. Toi ta gueule. Toi tu meurs. Voilà. Ah, on les a vus, hein. Moi j'ai vu, hein. De la thune. De la thune, des munitions. Normalement, il va encore avoir une vague. Ah, il y a un artisan là-bas. Ok, bon. Ah, j'allais dire ok, je pense qu'on a tout pété. Bah, hey. Quand il y en a plus, il y en a encore. Allez, monte. Oh bordel. J'ai combien de balles? 37, ça devrait aller pour faire l'élite. Mais je les ai pétés, c'est pas pourquoi. Ah, ça y est, je suis plein en munitions. Il était où l'élite? Voilà.
Ok. Ça c'est pas mal, plus 50% de dégâts d'armes pour au moins 12 secondes quand le compte de compétences secondaires est à 0. C'est-à-dire que quand on a 0 compétences le cul là, quand on n'a pas les éclairs, eh ben, on fait plus de dégâts. Mais je vais prendre un pantalon de course avancé qui me permet de récupérer ma ruée quand même largement plus rapidement. Et en soi c'est mieux. Parce que la ruée, c'est ce qu'on utilise assez régulièrement. Je me demande si on peut en avoir 6. On doit avoir moyen si tu chopes deux parchemins qui t'octroient 3 de ruée en plus, je sais pas. Enfin, ce sera à voir pour voir si c'est possible ou pas. En soi, si c'est possible, c'est sympa. Oh putain, le petit train là. Oh. Oh. Lâche-moi, ouais. Il est fou, lui. Oui, mais il y a du people, hein. Merde. Ça gueule le mage. Combien maintenant? Level 11, pas mal. Non, c'est fini. Ah ouais. Je crois qu'il y avait encore une vague quand même en prochaine. Semblerait que non. C'est bien et bien fini.
Ok, là ça a été pété. Ici non. Ok, je vais prendre ça. Oups. Tala 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 tala. J'ai entendu, hein. J'ai entendu que vous avez pop, hein. Mon argent. Merde, c'est con ça. Les capas d'abord, c'est le plus chiant. De toute façon, les autres ils sont censés mourir assez facilement. Bon, on va rush un peu. Oula. Oula oula. De où tu te tépais sur moi toi? Vas-y crève. Quel connard, hein. Ah, petit capa. Au revoir. Bonne journée à toi, hein. Tunas de la Tuno. Très important la thune, hein. Mais là il y a des trucs Là, regarde, y a des... mais y'a la thune là-bas. Oh. Oh. Oh, la déception humaine. Je rêve ou y'a une bête dans l'eau, là? Oh, j'ai pas rêvé. Elle crève. Je le supporte pas en plus lui. Oh, je suis tellement pauvre. Merde.
Franchement, je surkiffe cette compétence. Hein. Dès qu'ils s'approchent de moi, ils prennent des éclairs. C'est vraiment top. Alors. Dans la tourne! Après, les monstres sont blessés. Vas-y, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai chopé? Vous pouvez maintenir la touche, ouais, ok. Je peux continuer à tirer, même si... Oh, c'est le bateau! Ah non, c'est le serpent. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Oh, je l'aime pas du tout, le serpent. Vas-y, on va essayer le serpent. Avec une arme ou le... Ah oui, mais attends. Vas-y, rachète des munitions. Même si c'est utilisé la thune, m'en fous, mec. Allez, le serpent. Bon, il faut le réussir. Hein. Ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. Waouh! Oh putain! Oh, l'a défoncé! Oh, littéralement, on lui a.
On lui a roulé dessus. Bah, je kiffe. Ça, c'est à 42 de chargeur. Plus 35% de dégâts de compétence quand votre compétence touche un ennemi avec plus de 70 de PV. Et quel level? Et plus 10 quand même. Hein. Ah, quand même 42 balles. Allez, ouais. Sacrilège. Allez, dernière zone. Faut que je trouve un. Non mais c'est une! Ah merde, c'est une! Ah je croyais que c'était plus, c'était tous moi. Ah mais on est pauvres, au secours. On va devoir tout péter hein. Et deux pièces, c'est deux pièces, ok? L'argent, c'est essentiel au développement du jeu. Rend 1% de PV et 10 munitions de l'arme équipée pour pouvoir tuer un ennemi affecté par un effet élémentaire. Ouais, bof. Plus 1% de tir chanceux contre les ennemis affectés par. Ouais, ouais bof. Rafraîchir. Ah oh, ouais! J'ai un parchemin maudit en plus, non? Ah non, j'en ai même pas. Oh, je crois que j'ai un parchemin maudit, j'en ai même pas. Bah, le prochain truc, faudra prendre un parchemin maudit. Hein. T'as pas le choix, non? Oh, je suis pauvre. Enfin, je suis pauvre, j'ai mon arme en plus 17, c'est déjà bien. Même si j'aimerais quand même bien l'augmenter encore plus. Intéressant, automatique ou semi-automatique? Ouais, ça fait le taf, hein. Ça fait pas le taf. Ça fait le taf.
Je vais le mettre en automatique. En automatique, tant que tu restes appuyé, ça tire. C'est mieux. C'est 3 balles par 3 balles, mais c'est quand même mieux. Ça va pop, j'entends. Un problème, ouais. J'ai vraiment plus de thunes, quoi. Ah, c'est un problème, ça. J'ai envie à faire le truc à 300, là. Mais... essayer de choper le chargeur partagé, mais... Bon, on retient qu'il y a un artisan, là. Ah, les sages sont casse-couilles, hein. Merde. Alors...
Ah, tu vois, il y avait quand même une essence d'âme hein, dans le truc. Ouais, une essence d'âme, plus une essence d'âme. On est déjà quand même à 584 essences d'âme, en pensant que j'en avais vraiment pas beaucoup. On verra combien j'en ai ramassé en... Au final, mais... À mon avis, on en aura peut-être un petit paquet. Bon, après, il faut réussir le boss, hein. Putain, je suis quand même plus rapide comme ça. Ouais. Ok, bobine Tesla, de la tunasse, de la tunasse et des mobs. Putain! Bah, franchement, je suis étonné de l'arme que j'utilise actuellement. Elle est vraiment au top. Elle fait du dégât à crever. Un truc de taré. Enfin, je trouve qu'elle fait. Elle joue bien son taf quoi. Elle fait bien son taf. En pensant qu'elle est vraiment que plus 10, c'est top quoi. Fait ce qu'il fallait. Merde. Ah, franchement, cavalerie, pas mal du tout. Ouais. À retenir que c'est pas mal du tout en fait. En soi. En fait, le fait que je fasse un. Un éclair plus la corrosion, ça fait masse de dégâts en fait. Oh, c'est la vitesse à laquelle je déboîte les trucs quoi. Ouais, pas mal du tout cette arme franchement. Hein. Hop.
the fuck quoi. C'est pas fini, il en reste encore. Hein. Six, douze, 18. Putain, c'est pas bon. C'est pas celui que je voulais. Tous les ennemis se transforment en morses, ouais. Voilà, foutre de tes morses, ouais. Ok, on retient qu'un forgeur là. Il me faut 300 pour faire encore une fois une reforge. Tellement puissante l'arme. Franchement, je la vois différemment. Je ne pensais pas que ce serait aussi fort avec les dégâts de... En fait, le truc, c'est que je fais des dégâts de foudre. Donc, ce qui fait en fait que je leur mets deux affaiblissements. Putain, tu vas prendre tes balles, ouais! Attendez, j'ai plus de 300. Je vais vite aller. Putain! Ah, je l'aurais jamais cette amélioration là. C'est sur cette top que elle. Perdre des munitions. Ça, par contre, quand on arrive au boss, je l'enlève. Hein.
C'est vrai qu'en soi, le système, tu perds des munitions. Bah, j'ai qu'à prendre cette arme-là. En soi, et. C'est vrai que c'est complètement débile en fait en soi. Bah, c'est super parce qu'en fait tu prends l'arme celle-ci et tu perds pas de munitions en fait en soi. Parce que vu que t'as les munitions illimitées sur cette arme. Moi ouais, j'ai trouvé comment contrer le bazar. Non. Trois, six. Bon, je vais pouvoir faire deux changements. Je perds juste que. Ça ira. Putain, il veut pas. Il veut vraiment pas que je chope l'inscription. Putain. Casse-couille le jeu. Par contre, j'ai plus beaucoup de balles jaunes. T'imagines, je chope 300. Bah, à mon avis, je vais choper 300 là-dedans. Mais... Est-ce que je refais un tour en arrière? J'en sais rien, quoi. Bon, c'est juste de la fight. Ah ouais. Là, j'aurais gagné un max de pièces d'âme, franchement. Même si on, en soi on ne passe pas le boss, ce serait pas dramatique en soi. Parce qu'on a tellement de. On a gagné en fait tellement d'essence d'âme que au final. Oui, c'est mieux de le réussir en soi, mais. Ça, c'est le boss là. Je réessaye une dernière fois. Bon, j'ai pas le choix. Oh oui!
Nickel. Augmenter les munitions. Porte de la vie. Ok. Ah, bonne chance à moi. Bonne chance à moi. J'espère que tout va bien se dérouler. J'espère. On va essayer. On va essayer que tout se déroule bien. Tu n'y arriveras pas? Oh, j'y suis pas arrivé! Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, il va passer en deuxième phase, c'est ça? Dans ta gueule. Yeah. On lui a niqué sa mère. Il est toujours vivant hein. Mais je m'en fous, on lui a niqué. On l'a niqué. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment, on a eu le truc au dernier moment. Je dirais, je suis à 45 sur 45, quoi. Donc, je pouvais tirer en continu. C'est top. Eh ben, c'était une bonne game. C'est une bonne victoire en soi. Hein. Je suis content. On a réussi. On a fait en 96 minutes, 96 minutes. Donc, presque 1h40 quand même, hein. L'air de rien. Et au final, on retiendra quand même que l'arme qui a fait le plus de dégâts sera la cavalerie de plus 10 que mon mortier assourdissant plus 20 en soi. Dégâts totaux 400. Oula, non. Non, non, j'ai fait quand même pas mal. J'ai fait 4 millions avec la cavalerie et avec celui-là, j'ai fait aussi 4 millions en fait. 4 394 et là 4 338. Donc au final, vu que j'ai joué énormément le mortier au départ, puis que j'ai joué la cavalerie, on retiendra quand même que la... Ouais, il est quand même... on retient quand même que je gagne 745 pièces, bordel de merde. Merci le... Un petit screen. Merci le bazar, quoi. Mais quelle victoire. C'était beau. C'était beau. Faut l'avouer. C'est une victoire parfaite. Jette-toi des fleurs, oui. Jette-toi des fleurs. Bam! Level 108! Incroyable! Ah.
On a débloqué la pupille. On a tué trois serpents. Donc du coup, on a débloqué le Kuba. On en est où dans les... Dans les armes, est-ce qu'on a tout débloqué? Les armes, je pense qu'on a tout débloqué. Ah non, il reste trois armes qu'on n'a pas débloquées. Le talisman, que j'avais moi débloqué de base. Mais évidemment, vu que j'ai dû redemander à sauvegarde mon pote, bah, lui, il n'avait pas débloqué ça. La démologie, ça on l'a pas encore eu. Et homard arrogant. À l'aide de dégâts de feu. Ah ouais, je l'aurai jamais alors. Prérequis, débloquer, tuer 30 villas douteux à l'aide des dégâts corrosifs. Ça, j'aurais pu l'avoir. Porc épique, ça a l'air pas mal en soi, porc épique. Donc il me reste 3 armes à débloquer. Et en termes de parchemin. Ah oui, ok. Il me reste que 6 parchemins à débloquer. Qui est Cube élémentaire, un élément aléatoire sera sélectionné après rechargement, augmente les dégâts élémentaires correspondants de 50%, confère une réduction des dégâts tous les 3 ruées utilisées. Non mais c'est parchemin maudit ça, non? Ah non, c'est du rare en fait. Et en légendaire, il m'en reste 4. Qui est tous les 10 secondes libère une vague électromagnétique infligeant l'effet choc pendant 6 secondes à tous les ennemis qu'elle traverse. Oh, ça a l'air tellement top. Tuer escroc souffrant de choc 30 fois en difficulté élite ou supérieure. Ah, ok, je vais devoir jouer un peu en élite quoi. Toutes les 10 secondes libère une vague de flammes infligeant 200 de dégâts de feu et l'effet brûlure pendant 3 secondes à tous les ennemis qu'elle traverse. Ok. Ouais, ok, c'est les trucs, ok. Et ça, c'est quoi? Airbag. Moins 2% des PV par seconde actuel lorsque le bouclier est rempli. Rend 100% des PV lorsque le bouclier armure est brisé. Mais c'est de la merde. En soi, non, parce... Mais si, parce au final, tu perds les PV actuels par seconde. Et si ton bouclier pète, tu récupères 100% des PV. Ça revient au même en fait au final. Ouais, bof, je suis pas fan, hein. Alors, 2 heures quand même, hein. 2 heures de life, hein, pour faire le truc. Hein. Mais bon, comme on dit, chaque chose a une fin, les amis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit live. Je voulais juste réussir en life le niveau normal. Vous prouvez que je pouvais le faire. C'était sympa. Normalement, les monstres, je les ai tous débloqués. Ouais, j'ai débloqué tous les monstres. Je le défonce. Je te défonce. Ah, il est pas en France, ce tiens. Ah, c'est marrant. Ah, mais c'est parce qu'à mon avis, c'est le nouveau. C'est pour ça que c'est pas encore traduit. Ah, lui, il est casse-couille, hein, le serpent, je l'aime pas. Ouais, quoique, on a bien défoncé le serpent en soi. On a fait masse de dégâts, donc en soi, c'était sympa du tout. C'était sympa. Du coup, ouais, il va falloir quand même débloquer la petite lapine. Hein. C'est lui, il avait débloqué ça, et moi, j'avais débloqué ça en fait. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On va faire un petit live de 2 heures, c'était sympa. On n'a pas ragé, on a réussi, donc en soi, tant mieux. Une très bonne après-midi à vous, et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour plus d'aventures. Ciao, 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 ciao.